Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans le l'épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, on reprend la dernière avec Nick Valentine. Oh, un protecteur. Ah oui, c'est un des miens en plus. Qu'est-ce que je peux être con des fois? C'est quand même vachement sympa hein, cette zone. Vachement balèze. Oh, c'est quoi? C'est un ascenseur? C'est un ascenseur. Rien à faire. De badge. Il faut la carte. Il faut la carte. Oh merde. Plat. De l'eau. Boire. Ok, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais voir ce que c'était que ça. Ah non, c'est les projecteurs de fontaine. D'accord. Les comment? Les aspergeurs. Ok. Bon bah écoutez, ça a l'air gigantesque. On y va. Donc on avait visité à gauche, on va aller voir à droite. Il faut que je mette la main sur cette carte. Un badge. On a peut-être un à l'accueil, non? Terminal de la réception. Message interne, message interne. Oh. Je préférerais un badge. Vous n'auriez pas un badge à me fournir? Non. Je me doute. Là. On va y arriver, je pense. C'est faisable. Je suis persuadé que c'est faisable. Ah bla. Aïe. Tu vas morfler. Quelqu'un approche. Désolé. Pareil, ce sont des choses qui arrivent. Oula. Je crois qu'on n'est pas seul. Désolé. Le ménage est fait. Niveau 31, GG les gens. Hop. Alors. 31, il me semble qu'on avait un truc à un point à mettre quelque part. Hmm. 28. Ok, non, c'est pas ça que je veux faire, je voulais remonter. Y'a pas un point à mettre quelque part quand on avait 31 en armure? Ah si, c'était ça. C'est parti. Faisons plus de dégâts, chers amis. On aime ça, les dégâts. Merde. Non, bla, il sprint pas. Là. Et tu vas sprinter, oui. Mais putain. Oh nom de Dieu. Bla bah là, il a pas sauté. Putain. C'est pas possible. Gla. Ah bah non. Ça veut pas. Mais je vais y arriver quand même. Voilà. Ça veut... Bonjour. Il y a quelqu'un? Oh, elle est belle. What? Je voulais regarder la statue. Ça va chier. Il y a une bubble head sur la statue. C'est quoi ça? Il tirait au lance-roquette. Ah, moi j'ai envie d'essayer un truc, chers amis, quand même. Sauvegarde rapide. Elle a pas bougé, merde. Ah, oh, j'aurais aimé qu'elle bouge. Oh, c'est les chiottes. Hello. Oh, pute. C'est dit. Ah, putain. Oh. That's gonna hurt. Ok, ça doit faire mal. Je... Oh! Bonjour! Bonjour! Attends.
Je vais recoller les morceaux. Oh, en fait, non, je vais te poser là. Tu peux me regarder, s'il te plaît, quand je te parle? Non? Bon, bah tant pis pour toi, alors. Ok. Bonjour. Pas de piège. Pas de piège. Faut que j'y pense à la... Terminal des archives. Ouais. Ah, il faut qu'on rentre à sanctuaire ensuite, parce qu'on va tomber en rade de munitions. Enfin, en rade de place, pardon. Qui est là? Kanigou, vas-y! Tuez les tous! Ok. Voilà, on va prendre ça. On n'est pas obligé de faire ça. Ok. Kanigou, il est pas trop amoché. Voilà. Bouffe. Ok. Je les ai eus. Enfin, on les a eus, les gars. C'est bien, bien joué. Pour reconnaître qu'ils ont été là. Intéressant, ça. Je dois reconnaître qu'ils ont été présents. Bon, maintenant, faut retrouver le légendaire parmi tous les bouts. Le voilà, martyr. Ah, il faudra vraiment que je fasse un truc avec ça. Je pense que je ferai un build corps à corps avec ce bonus-là d'armure. Qui donnera un petit aspect, vous savez, slow motion quand je prendrai des dégâts. Qui peut ne pas être trop mal. Putain, les portes qui s'ouvrent comme ça. Où elle est la statue? Il y a une bobelette sur la statue, j'ai pas vu c'est laquelle par contre. Mais il y en a une. Oh. Les chiottes. Hello? Oh. Quoi? J'entends rien. Pourquoi tu gueules? Tu te casses, merci. Et pourquoi tu gueules? Faut que tu me répondes aussi. Putain. C'est quoi ça? Oh! À l'avenir, évitez de nous sous-estimer. Est-ce que je peux retrouver ma... Voilà, ma vie. C'est parti chercher. Qu'est-ce que t'as vu? Que t'as senti? Y'a rien là-dedans. Oh. J'ai rien dit. Ah si, je peux y aller. Techniquement, je peux y aller. Oui. C'est quoi? Vous me servez à quoi, les protectrons? Wow. Il est en armure. Il est en armure. Kanigou. Oui. Et voilà. Votre force augmente d'un point. Oui, on peut porter plus de choses. Putain. Combien qu'on peut porter? 325. Oui. M'en fous, je suis super balèze maintenant. On y va au cac. Est-ce que j'ai quelque chose pour aller au cac? Ah, ça fait pas de dégâts. C'est pas grave. On y va. Bouf. Vraiment à me gonfler. Bla. J'ai un point de force en plus.
Bam! Je me replanque. J'ai pas mieux que ça? Ou alors? J'espère qu'il y a du blé sur ta tête. Oh merde, elle est tombée. Oh merde, Canigou, je suis désolé. Ah, la page gelée, non. Maintenant. Oh merde, je veux... Quand est-ce que j'ai sauvegardé la dernière fois? Je voulais la geler. Ah, là. On va essayer de le refaire, mais on va la geler cette fois-ci, chers amis. Ça va être cool. Je vais la taper au sol alors qu'elle est congelée. Oui, c'est une idée. Hop. Oh. Je vais rendre service à tout le monde. Amène-toi, cette enflure. Mais putain, mais tu pourrais te congeler. Je veux te congeler. Ou alors je fais ça bien et... Ok. Maintenant, finis de rire. Tu vas morfler. Oh merde, je suis congelé aussi, il fait chier. Ah, pas elle. Putain, mais deux coups de congélo et ça te suffit pas? Bon, le congélo ça marche pas sur elle. Bon. On va reprendre les habitudes normales, tant pis, le corps à corps ça va pas le faire. J'ai pas assez de balles, fais chier. Hé hey. C'est chaud. Ça fait rien non plus. C'était vraiment couillon. Tuez-les tous. Eh dis donc, tu crois que je peux avoir ta tête de là? Ah, oh putain. T'es sérieux? T'es sérieux, jeu de merde. Je peux pas avoir sa tête. Ah, si, attendez. Je veux l'avoir sa tête, rien à foutre. Tu recules. Allez, recule. Et sans transpirer une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. C'est quoi qu'elle a dans le dos? Non, je me trompe. Merde, c'est con qu'elle ait son armure sur elle et que je doive la prendre si jamais je veux faire quelque chose. Pas envie de la prendre. Balcon, non, pas balcon, non. J'ai pas fini avec cet endroit. Je veux en finir, et vite. Alors, tu me ressors complètement? Putain de merde! Je crois qu'il faut qu'on parle. Quelque chose vous préoccupe? Quelque chose ne va pas? Vous avez l'air inquiet. Quoi? Ah non, du tout. Ça fait un moment qu'on bourlingue ensemble. Et je me disais que le partage des informations n'a pas été très équitable. J'ai eu un bel aperçu de ce que vous cachez dans vos placards. Mais vous savez pas grand-chose sur moi, finalement. Je me disais que ce serait le moment d'accorder nos violons. Il y a quelque chose que vous voulez savoir? L'Institut? Vous avez des souvenirs de l'Institut? Tous mes souvenirs de cette époque sont assez flous. Mais des fois, j'ai des flashs. La vie dans l'Institut. On nous isolait. Pendant des années, mon univers s'est résumé à une simple salle de test. Il y avait toujours quelqu'un pour me surveiller. Et puis un jour, je me suis réveillé de l'autre côté. Et c'était tout. Ils m'ont relâché. Ou plutôt, ils m'ont abandonné dans ce monde merveilleux, quand je suis devenu inutile. D'accord. La tenue des détectives. Cette tenue? Quand j'ai ouvert mon agence, je me suis dit que c'était le genre de truc que portent les détectives. J'ai de vieux souvenirs d'avant la guerre. De types qui faisaient ce que je fais. Et qui étaient fringués comme ça. Avec ce chapeau et cet impair, je me suis dit que les gens me prendraient au sérieux.
L'habit fait le moine, comme on dit. Erreur. Vous êtes moi le type que je voulais être, en fait. Qui êtes-vous ? Vous vraiment, Nick ? C'est une question que je me pose depuis la caméra chie. Je sais que je suis un synthétique, sorti tout droit des labos de l'Institut. Mais je suis mécanique, pas organique, comme les synthétiques haut de gamme qui fichent la trouille à tout le monde. Quand ça va pas, j'ai besoin d'un mécano, pas d'un médecin. Quant à mes souvenirs et ma personnalité, ce sont ceux d'un flic qui s'était porté volontaire pour une expérience avant la guerre. D'accord. Ils ont copié les données tirées de son cerveau dans les circuits que j'ai entre les oreilles. Ne me demandez pas pourquoi ils ont choisi un flic pour me créer, plutôt qu'un génie des maths ou un bio-ingénieur. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont foutu à la poubelle, au lieu de me transformer en ravisseur d'humains comme les autres. D'accord. De mon époque ? Le Nick d'origine était de mon époque ? Eh ouais. Autant vous dire que quand je me suis retrouvé dehors, le réveil a été un peu rude. Ouais, je connais. Je me rappelle m'être réveillé un jour sur un tas d'ordures. Le corps en miettes et la tête farcie des souvenirs d'un type mort depuis 200 ans. Disons que j'étais un peu perdu pendant les premières semaines. On ne savait pas grand-chose des synthétiques à l'époque. Alors, quand j'ai enfin rencontré les gens, je les ai trouvés plus méfiants qu'hostiles. D'accord. Les gamins avaient pas peur, par contre. Il s'appelait Jim, je crois. Le premier qui m'a adressé la parole après que l'Institut m'a flanqué dehors. Mon premier contact humain. Ah, c'est mignon. Il m'a cuisiné pendant une heure. Quand ils ont vu que j'étais pas dangereux, les habitants du quartier ont commencé à sortir pour voir l'homme-machine. En fait, j'ai passé une soirée vachement sympa. Le mécano du coin m'a même fait un réglage complet. Et gratos. Cool. Ces gens m'ont traité comme un être humain. Et depuis, j'essaye de leur renvoyer l'ascenseur. C'est quelque chose d'assez rare de nos jours. D'ailleurs, je retrouve ce côté-là chez vous. C'est aussi pour ça que je suis resté aussi longtemps. Rendre visite, alors? Où étaient ces gens? On devrait aller leur rendre visite. J'ai essayé d'y retourner pour les remercier, après avoir pris mes marques. Mais l'endroit avait été rayé de la carte. Oh merde. Un coup des pillards. J'ignore ce que sont devenus ces gens. La gentillesse engendre la gentillesse. Belle phrase. J'ai toujours pensé que quand vous êtes sympa avec les autres, ils finissent par vous le rendre. On est bien d'accord. Bref, vous devez en avoir marre de m'écouter déblatérer mes vieux dossiers. Non, on devrait peut-être y aller. Ouais, on y va. On rentre. Alors. Voilà. Oh, faites gaffe. Oh merde, je suis désolé. C'est dommage de gâcher ça, pas vrai. Du si bon acier, effectivement, ce serait dommage de gâcher. Ici, qu'est-ce qu'on a? J'y vois que dalle. Pareil photo. Moi j'y vois, t'inquiète pas. Oh. Petite capsule. Il y a cet endroit là aussi qu'on n'a pas trop visité du coup. Un coffre. Un mini nuke. Des munitions. Un autre coffre mural de niveau maître. Bla. C'est des mails? Ça y est. Alors. Il y a un canoncier là. Ah oui. Je le rêvais pas. Je croyais que je le rêvais un petit peu. Bobine de relais, ouais, pourquoi pas, ouais. Et donc toi, t'avais quoi d'autre sur toi, au passage? Rien du tout. Dommage. Est-ce qu'on peut continuer à monter? Ça pourrait être sympa. Oula, par contre, on se soigne. On va même manger un petit coup. Hop. Voilà. Et on prend l'ascenseur. Descente. Mais non! Je voulais monter! Boule d'entrée. Il y avait un ascenseur. Montez. T'es sérieux? Il y avait un ascenseur? Putain!
Ah oui, je voulais voir aussi. Tableau d'aptitude. Il n'y a rien au-dessus de maître du coup. Si ? Oh. Ah ouais, alors ça non. Non, si ça ne cache jamais, c'est nul. Je le prendrai pas. Y'a pas plus haut. Seriously, vous avez pas... Bon. Bizarre. Il y a un coffre. Putain, je l'avais pas vu. C'est une pièce que j'ai pas vue, ça. Un coffre avancé. Ah, il était vachement avancé, dis donc. J'ai quand même réussi à casser mon épingle. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Oh. Voilà. Joli. Mais non. Alors, oh, bonjour. Ah oui, c'est l'endroit de l'autre côté. De... Oui, d'accord. Ok, je vois. Le ventilo, je vais le prendre. Puff out. Livre en retard. Ouais, je peux le prendre, c'est pas grave. C'est cool. Voilà donc la partie que j'avais ratée. Ventilo. Ah bla. Pourquoi j'ai pris ce fauteuil ventilo? Voilà. On boit un coup. Parfait. Oh, un dossier. Ah, je suis full. Salaud. Rien d'autre par là. Hop. Je revérifie quand même tout, j'avais envie d'être sûr. Parce que ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de choses que ça dans ce... Lui, je peux pas le choper. Bon, apparemment de ce côté-là, c'est bon. Apparemment de ce côté-là, c'est bon. Rien derrière. Non. Bon. Là, c'est bon. Là, y'a rien. Peut-être descendu trop bas, trop vite. D'avoir une cible dans le dos ici. Moi j'ai l'impression qu'on n'est pas monté suffisamment haut, tu sais, alors bon. Faut pas me faire chier en me disant que machin, machin, machin. Terminal des archives. Oh, c'est un truc d'amour. Ok, alors attendez, on va regarder si on peut pas remonter par ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on est monté par là, mais... De l'autre côté, on n'y a pas été. Aha ! Oula, on n'est pas par là. Moi, je voudrais monter plus haut, chers amis. C'est plus haut qui m'intéresserait. Oh, le piège ! Est-ce que je peux le désarmer? C'est de trouver le piège en fait. Support. Hop, voilà. Ah, je peux plus le désamorcer, dommage. Cadre de bureau. Ok. Mais on doit pouvoir monter plus haut, on n'a pas fait la moitié du bâtiment. C'est une grande tour. Ou alors c'est que j'ai raté quelque chose à l'extérieur. Ce qui est possible.
J'ai raté quelque chose à l'extérieur. T'as vu la taille de la tour, c'est pas possible que ça s'arrête là, ce serait stupide. Bon alors c'est par là, effectivement. Gaffe à l'atterrissage. Ah non. Non, non, on reprend, 10. Alors. C'est pas possible autrement. Ça peut pas déjà être fini. C'est une grande tour. Y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin d'aide. Ah, mais oui, peut-être, mais j'en ai rien à foutre de ces gens-là. Moi, je veux avoir... Mais quel bordel. Je veux aller plus haut dans la tour. Pousse-toi, 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 Canigo, pousse-toi. Merci. Bon. Ok. Ok. Dites, vous pouvez faire le gain une minute. Faut que je lance un diagnostic. Ouais, pas de soucis. Merci. J'ai raté quelque chose? Non, non. Rien d'intéressant. Y'a pas un badge quelque part ou un truc comme ça? J'en sais rien. Ça peut pas être aussi... Non, y'a forcément un badge. Y'a forcément un badge. Y'a forcément un badge quelque part. Oh. Mais non, j'en viens de là. D'accord, j'en viens. Oui. Il peut y avoir quelque chose ici. Au moins de l'agneau. Là. Peut-être là. Peut-être là-haut, là. Là, c'est pour descendre. J'ai déjà connu... Je connais le truc. Peut-être par là. On doit pouvoir monter plus haut. C'est pas possible autrement. Enfin, je suis désolé, ça... Qui a gagné la guerre, à votre avis? Personne, j'imagine. Alors, je l'ai raté là-dedans. Tiens, il y a un truc derrière. Ouais, non. Il est pas sur la fille, j'ai rien chopé. D'accord, ça c'est le balcon. Bon, bah, on va aller voir dehors. Hein. Canigo a trouvé quelque chose de toute façon. Hop. Bon alors. Alors. Qu'est-ce que t'avais vu par là? Canigou, il est pas trop amoché? Canigou, il s'est fait défoncer par la porte. Et alors? Non, bah écoutez, apparemment y'a rien, donc j'imagine qu'il faut venir revenir avec une quête. Putain. Bon, faut revenir avec une quête. Génial. C'est pas une un truc, ça? Non. Ok. Eh ben, on redescend. Putain. Ou alors, il y a moyen de monter de bout en bout, peut-être. Oh, ça m'étonne, mais bon. On va bien voir, attendez. Non, apparemment, non. Quoique, regardez, il y a un bout, là. Attendez. Est-ce que l'astuce, ce serait ça? Hop. Là. Hey, vous êtes toujours là? J'y vois rien. Là. Bah t'y vois rien, bah t'ouvres tes yeux. Putain, mais j'ai réussi à le faire tout à l'heure. Jeu de merde. Oh, putain.
Bla. Se faire atomiser pendant les heures de bureau, c'est pas de chance quand même. Ok. Vous voyez, il y a un truc là. Y a un truc qui cache. Y a rien. Ok, je passe à travers des trous que je suis pas censé passer, donc j'imagine que c'est pas accessible normalement. Ouais, il irait bien à faire quelque chose du Commonwealth. Tu te laisses. Bah putain, mais. Ah ah! Vous avez vu, il y a un passage! Oh! Toute la racaille du Commonwealth va apprendre à nous connaître. Par contre, oui, c'est un cul-de-sac quand même. Mais il y a un passage ici. Aïe. Dans les chiottes. Je suis tombé dans les chiottes. Mais il y a un passage. Le commerce avec de la lumière. À l'américaine. Toutes les subtilités et la souffrance humaine d'une guerre totale sans l'adrénaline. Arrête! Passage avec de la lumière, il y a moyen d'y aller alors. Oh, une caisse. Ah, oh, je porte trop de choses pour courir. Ah. Tiens, pomme dandy boy. Hop. Du whisky. Je lâche le whisky. L'alcool, c'est plus pour moi. J'arrête. Mais il y a moyen de monter. Il va y avoir un moyen. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Il doit y avoir un pass. Il doit y avoir un putain de pass. What? Oh. Non, j'en viens de là, je suis con. Là, c'est un cul-de-sac. Ou alors, il y a peut-être un truc à commander par là, non? What? Oui! Oh, putain. Allez. Oh, c'est les amoureux, d'accord. Il chatte par bureau interposé, enfin il y a mieux de bosser, tiens. Putain. La vie d'un détective n'a rien de facile, mais elle manque pas d'intensité. T'as pas un autre écran quelque part, non? C'est par là que je suis monté? J'ai l'impression d'avoir une cible dans le dos ici. Merde. Y'a pas un pass dans le coin? Y'a trop de gens de nos jours qui ne voient que la violence comme solution à leurs problèmes. Moi je veux pas de la violence, je veux un pass. Regarder autour de nous pour voir où ça nous amène. Peut-être que. Faut que je mette la main sur cette carte. Bon, bah tant pis. C'est saoulant. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte? Non, j'ai dit qu'on allait rentrer.
Je dis qu'on est, on est plein à craquer, du coup on rentre. Parler à Preston. Ah bon, bah, on va aller parler à Preston aussi. Il me semble qu'on avait une autre quête à faire aussi, pas trop, trop loin. Je crois que c'était sur les chemins de la liberté, je sais pas quoi. Ou sur la voie de la liberté. Donc, bah écoutez, on va aller la faire. On va aller la faire. Alors, ta criminologie avec Sérida. Oui, d'accord, oui. Le ménéchant qui nous permet de changer les armes et l'histoire de la plupart de vos compagnons. Oui, je sais, merci. Bon, la suite. Hop. Caligo est touché. Vous avez des. Teams. Voilà. T60. T45. T51. Ah, la X01 était stylée. Je vois pas la différence entre la T60. Oh, si elle est légère. Fabriquée. Est-ce qu'on peut la repeindre? Peinture Voltec. Modèle A, oui, modèle A, modèle B. D'accord, c'est les dégâts et la résistance. Module. D'accord. Jetpack, waouh. Ah oui, 4 armuriers, 4 jetpacks. Ah oui, bah on a le temps. Hop. Voltec. Après tout, c'est grâce à eux qu'on en est là. Ça améliore le charisme. Donc ça sert strictement à rien. Hop. Au pire, on mettra autre chose si la couleur elle me plaît pas. Une peinture militaire ou un truc dans le genre. Hop là. Alors, tu ressembles à quoi? Wouhou. Ouais, t'es bleu et jaune, quoi. Alors, tout ce que j'espère, chers amis, c'est que ça m'envoie pas un symbole Volt sur la... un symbole Volt Boy sur la lumière, en fait. Parce que c'est ce que j'ai peur. Attention, ça va saigner. Putain. Oh putain, le truc inutile. Non. Non. On sort. Oh la connerie, putain, la connerie que j'ai fait. Le gaspillage de ressources, gaspillage. Alors, lampe frontale. Tactique, rouge. Voilà. Alors. D'accord. Ça c'est intéressant. Enfin bon. Bah elle est pas belle mon armure. Putain. Vous savez quoi? Ok. Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, quoi? À Sanctuary, parés pour l'avenir. Toi tu mérites un peu plus de dégâts. Crosse complète, d'accord. Une crosse complète, pourquoi pas. En tout, il faudra minimum ça. Hein. On te laisse avec ce que t'as là pour l'instant. Viseur standard, alors lunettes courtes, d'accord. Viseur laser, c'est un pointeur. Lunettes moyennes. Certains jours sont plus difficiles alors, que d'autres. Je préférerais ne pas avoir le viseur que j'ai actuellement, qui passe, c'est cache énormément ce qu'il y a devant nous. Hop. Bon déjà niveau dégâts tu vas faire un peu plus de puissance, ça c'est cool.
Fusil d'assaut puissant, c'est ça, bah c'est celui que j'ai. Donc on va mettre le tuyau. Le Toyo. Toi, pas besoin. Toi t'es légendaire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je gagne? Ah bah c'est vendu. Double tape plutonium, culasse avancée, je suis déjà au maximum j'imagine, oui. Mince, 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 mince. Ok, le cloneur de balles. Oui, tu fais déjà assez mal comme ça, effectivement, je m'en rappelle de ça. Culasse puissante, au niveau du pistolet, est-ce que j'ai mieux? Puis culasse avancée, ça va être cool. Parce que putain... Ok, canon long. Augmente la précision. Ok, poignée confort, poignée de tireur d'élite. Hop. Grand chargeur à éjection rapide. Ouais. Frein de bouche. Pourquoi t'as un frein de bouche? Ben voilà. Tu penses pas que t'es mieux comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, chers amis? Le lance-glaçon, on y reviendra plus tard. Le lance-missile. Faisons-nous plaisir. Ordinateur de visée. Bah ça faudra le faire. Bouche. Stabilisateur. Baïonnette, ouais. Inutile la baïonnette. Hop. Alors. Lance. 4. Missile. Voilà. C'est lance 4 missiles. Pendant que vous bricolez, je vais lancer quelques diagnostics. C'est fait. Prenez votre temps. Pistogel. Dites. Peut-être qu'il va être un peu plus efficace, ça va être cool. Faut que je lance un diagnostic. Est-ce qu'on a de la merde à ranger? On va avoir de la merde à vendre surtout, mais d'abord on va avoir de la merde à cuisiner. J'ai raté quelque chose. À ce sujet. À ce sujet, j'en ai ras-le-bol d'aller jusque là-bas pour pouvoir faire ma bouffe. Alors. On a une cuisinière par ici. Pétain. Ok. Arrication. Hop. Atelier de chimie, atelier de chimie. Cuisinière. Voilà. Putain, j'ai pas les vis qu'il faut. J'ai plus de vis. Oh non de Dieu. Bon bah tant pis. J'ai plus de vis. Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me sens pleine. Ok. Hop. Alors, côtelette de Yaogwai, c'est fait. Côtelette de chien mutant. De molosse mutant, pardon. Rat de cerf grillé. Rat de scorpion. Viande de fangeux. Ben voilà. Fais-lui bien par où ça passe. Il y a trop de gens de nos jours qui ne voient que la violence comme solution à leurs problèmes. Oui, je sais. Je Il suffit de regarder autour de nous pour ce voir n'est pas où mon ça cas, nous aime. Pas mon cas. Hop. Boucle là, boucle là, boucle. C'est un peu ça en fait. Hein. On va aller à Good Neighbor, ça fait longtemps. Là voilà. Oui. On y va. Hop. Elle est vraiment sublime. Soyons honnêtes, elle est vraiment sublime, cette arme. Je suis curieux juste d'une chose, c'est de l'améliorer à fond pour voir ce que ça va donner au niveau de l'amélioration. Good Neighbor, les bas-fonds du Commonwealth. La confrérie de l'acier a intérêt de passer... Excusez-moi. Je vous félicite pour ce que vous avez fait à la bibliothèque. Merci encore. De rien. Vous voulez voir la marchandise, sinon? Oui. Trop con, trop D'accord. con, trop con. Voyons ça. Cash ou troc, c'est vous qui voyez. Alors. J'ai surtout quelques petites choses qui pourraient te plaire là-dedans. Hop. Ça, je vais les garder pour l'instant. J'irai les mettre, les ranger. Hop, 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 hop.
Oui, tiens. Hop. Hop, hop, hop. Et s'il te plaît, en échange, j'aimerais que tu me donnes... Ah, où sont-ils? Voilà. Voilà, encore un peut-être. Merci. Il me reste encore des choses à te donner, c'est pour ça. Hop. 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 Voilà. J'ai ça aussi pour toi. J'ai ça. Est-ce que tu peux me donner en échange un Radaway? Ce serait cool. Merci. Voilà. Je te remercie pour ton aide. Fou, ça soulage. J'ai pas encore tout donné, hein. Salut. Si vous voulez déposer quelque chose en gage, vous fatiguez. Cléo. Vous en faites pas. Je teste uniquement mes armes. Voyons ce que vous avez. Chaque arme. Elle. Alors, tiens, prends ça parce que ça congèle personne. Je l'ai vérifié. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Hop. Ok. Qu'est-ce que t'as déjà sur... Ah oui, il faudrait que je cherche des munitions, toi. Hop. Hop. Voilà. Hop. Pain brioché, je te le donne. Radix. Ah, il fallait que je les garde, exact. Je vais en vendre 20 et... 26. Hop. Ce qui m'en fait 10, ce qui n'est pas mal. Hop. Déjà ça. Non, 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 ça je veux pas. Ça par contre, je vais t'en vendre 3. Merci. Voilà. Putain, elle est vend cher. Hein. Oh la vache. Pièce, ça se vend cher. Hein. Bon. Toi aussi, il va falloir qu'on se reparle, Bobby. J'ai un mec qui sort de prison. Paraît que vous avez eu des soucis à l'abri 81. Un confinement. Vous tenez pas en place. Non, effectivement, je ne tiens pas en place. On m'a dit que vous aviez sauvé Rex Goodman des super mutants. On dirait que tout le monde est pas fan de William Shakespeare. Je m'en doutais. Casse-toi. Les mains en l'air. Merde. Tu bouges pas. La vie d'un détective n'a rien de facile, mais elle manque pas d'un. Et sans transpirer une goutte. Fais pas de con, toi. C'est pas comme si c'était possible. C'est bon, pas la peine de s'énerver. Il y avait deux mitraillettes. Qu'est-ce que vous foutiez, les gars? Qu'est-ce que vous foutiez? Alors? Hein? Je veux savoir si ça marche, si j'ai le droit de le piller. Ah, j'ai le droit, mais ça plaît pas à Valentine. Okay. Qu'est-ce que vous me voulez? Ouais, ouais. Hé hey. Et Ligou, j'ai fait. Merci. Faudrait que la pacification dure après J'en ai vu des trucs pas nets dans ma vie. Si je peux parler comme ça. Un bateau volant. On va aller. Merde. Finn a pété les plombs. C'est en fait. De la folie de défier un coq comme ça. Vieux parlement. Ouais. On y allait. Vous pouvez faire le gain. Saoul. Je lance un diagnostic. Ok, vas-y. Merci. J'ai raté quelque chose. Hey. J'aurais mérité d'avoir une animation, une vraie animation. University Point. Hop. Non. Yo. Le spectacle. C'est au sous-sol. Ouais, je sais.
à faire un plan à trois et zoophile avec la chanteuse. Je connais pas la confrérie de l'acier personnellement, mais je crois pas une seule seconde à leur connerie de « nous venons en paix ». Mon client était ravi que vous ayez... Oui, je suis au courant. Qui est la chanteuse? C'est Magnol. Ok. Bon, vous allez... Le troisième rail. Quoi? Alors? Oh, ça... Pas aujourd'hui. Eh. Bon, pas grave. Trimballer une tonne de matos, on dirait. Vous devriez vendre quelques trucs dans ce siège-là. Que quelqu'un vous pique le butin. Gardez un œil sur vos capsules. Les types qui sont derrière le bar sont encore plus voleurs que ceux qui sont devant. Tout à fait. On va attendre. Hop, 24 heures. Elle commence à chanter à 7 heures le matin quand même, hein, la fille. Hein. Elle est au boulot. Hein. Et normalement, elle devrait s'arrêter de chanter. Parce que là, elle chante pendant 24 heures. Hein. Vous le savez pas, mais je peux vous dire qu'elle en chante des chansons. Hein. Oh putain. Alors. Bon, Charlie. Valentine. Tu viens pour consommer cette fois? Ouais, j'étais libre, mais. Quand il neigera en enfer. Ouais. Dis-moi plus tes bateaux là-dedans. Non, bon, bah, allez pas par contre. Vous savez pas où dormir? Bah, sûrement, il va y avoir un mode pour ça. What? Vous devez être Imogen. Oh, c'est vous? Je serai là pour te protéger. Oui. Oh, c'est vous? Mot de passe d'Imogen Cabot. Attendez la fin de la chanson. Tiens, salut. Ça faisait un bail. Vous tenez le coup? Pareil que t'as fait parler la poudre l'autre jour. Oh, tu sais comment ça se passe. Ouais, elle m'intrigue celle-là. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ok. Ok, ok. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on va faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode dans mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Et je les en remercie, comme je vous remercie de votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.